Nous allons commencer. Autre jour. Je me te rappelle. Bonsoir. Bienvenue, nous allons commencer le conseil municipal. Alors, Michel Noaille, il est présent. Martine Soavi, Oumar est en route, il arrive, Elsa aussi. Rénal Jourdain est présent, Assa est en route, elle arrive. Frédéric Pio est présent, Sophia Louz est présente, Oscar est présent, Fadila Chourfi est présente. Pierrick est souffrant, il a donné son pouvoir à Pascal Prigent. Italia est présente. Sylvain Renard, il est présent, il est là, il arrive. Pascal Prigent, elle est présente. Hichem arrive, il est en route. Françoise Lopez est présente. Clotaire Bonzi est présent. Hélène Pavamani est présente. Jacques Picard est présent. Sylvie Dayani est présente. Monia a donné son pouvoir à Martine Soavi. Alama Djellal est présente. Hervé Jacques va arriver. Francis Arnoux Laurent est présent. Claire Jubin est présente. Fatima Lallemand arrive. Maxime Podolac est présent. Clémence Bigarnet est présente. Benjamin Ledroux-Maguet, pour l'instant, a donné son pouvoir à Françoise Lopez. Mais il va arriver. Ahmed Cormaz, il arrive aussi. Flore Droguet est présente. Jean-Marie Sirami est présent. Animalite, je ne vois pas bien, je ne la vois pas. Elle a donné le pouvoir à Alexandre Marin. Très bien, merci. Pascaline Van Hennen est présente. Frédéric Garcia, un pouvoir à qui ? À Jean-François Bell. Très bien. Sylvie Capron est présente. Jean-François Bell est présent. Éric Breton est présent. Volcan Écoute est présente. Samira Ketfi est présente. Alexandre Marin va arriver, je pense. Régis Caudron est absent. Et Jean-Luc Raymond aussi. Voilà. Diana. Je crois que. Et Diana a donné son pouvoir. Ah non, c'est Diana à Françoise Lopez, je vois, plutôt. Voilà. Oui, c'est ça. Très bien. Est-ce que, Oscar, tu peux tirer le rideau, parce que je suis en peine de touche. Je vais nommer. Francis Arnoux Laurent, secrétaire de séance, pour faire signer un petit peu tout le monde. Merci. Alors, avant de commencer, je voudrais vous parler d'un employé communal qui, malheureusement, est décédé, monsieur Vincent. Et nous étions très, très nombreux hier à ses obsèques. Un employé remarquable qui a travaillé de longues années à la ville de Corbeil-Essonne, qui a fini particulièrement responsable, un des responsables des services techniques de la ville, qui a vécu longtemps à Corbeil-Essonne aussi. Et son décès, il y a une dizaine de jours, a créé une très très grande émotion dans les services techniques, tant cet homme était adulé, respecté, un homme généreux qui avait un sens de son métier, qui était particulièrement doué, notamment dans la menuiserie, mais qui a eu plusieurs corps de métier. Et donc, je ne vais pas compter, mais il y avait des centaines d'agents communaux qui se sont rendus d'abord à l'église de Fontainebleau et après dans son village en Seine-et-Marne, aux obsèques de cet homme qui avait encore quelques années à travailler. Et donc nous avons entouré sa femme, ses 7 enfants, et je suis encore ému devant l'émotion qu'a suscité son décès et de tous ses collègues qui l'entouraient.
Et donc, je souhaite qu'on fasse une minute de silence en hommage à ce collègue. Merci. Je vous remercie. J'ai fait la proposition d'hier, il y avait aussi beaucoup d'élus, que quand nous inaugurons les nouveaux services techniques municipaux en 2025, on prendra la décision que l'un des ateliers porte le nom de ce collègue, et nous avons proposé cela hier. Voilà, on va commencer, y compris des personnes dans le public qui sont venues, je le sais, spécifiquement pour cela. Et donc, Jacques, je voudrais qu'on commence par un vœu dans le cadre de ta délégation pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Nous sommes tous particulièrement bouleversés par ce qui se passe en ce moment depuis maintenant de longs mois à Gaza. Et donc, je te donne la parole. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit du deuxième vœu voté par notre conseil municipal, puisqu'on en avait eu le premier au mois de novembre, si je ne me trompe. Ce vœu a été presque intégralement constitué à partir d'une déclaration de 60 villes jumelées avec la Palestine au sein de Cités Unies France. Donc je m'en suis inspiré pour construire ce vœu. Nous pourrions dire que tout ceci est petit et vain. Il existe cependant diplomatie des villes, une capacité des villes à s'indigner. Et je pense qu'il faut qu'on l'exerce un maximum, même si aujourd'hui imposer un cessez-le-feu semble de la quadrature du cercle. Je vais lire donc cette motion. Pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Le bilan de plus de 170 jours de guerre à Gaza est lourd et sans précédent. Les morts civils palestiniens, en grande partie des femmes et des enfants, dépassent aujourd'hui les 32 000 victimes, sans compter les morts sous les décombres, et 75 000 blessés. Plus de 175% des habitations du nord de la bande de Gaza sont détruites. Désormais, les violations du droit international se multiplient impunément. Les attaques d'hôpitaux s'ajoutent aux tirs contre les convois humanitaires. À Ran Younes et ailleurs, ce sont les hôpitaux, des écoles et d'autres sites protégés par le droit international qui ont été visés par les forces de défense israéliennes, ce qui a été confirmé par le coordinateur spécial des Nations Unies pour le Moyen-Orient, M. Thor Wennesland. Il a fait également état de graves pénuries de nourriture, d'eau, d'abris et de médicaments, mais aussi de la propagation de maladies transmissibles, alors que plus de 2 millions de personnes sont confrontées à une insécurité alimentaire extrême. Ces exactions inhumaines et les pénuries ont entraîné un effondrement presque total de l'ordre public et des services essentiels à Gaza. À Rafah, au sud de la bande de Gaza, ce sont 1,5 million de Gazaouis qui sont enfermés sans possibilité de sortie, qui sont menacés d'attaques militaires. Alors que cette guerre dévastatrice et punitive dure depuis plus de 6 mois aujourd'hui, le coordinateur spécial a notamment exhorté toutes les parties concernées à s'attaquer aux principaux obstacles entravant la réponse humanitaire sur le terrain. En tant que puissance occupante, l'État d'Israël doit assumer ses responsabilités en droit international, assurer l'approvisionnement de la population en vivres et en produits médicaux, comme l'a rappelé clairement la Cour internationale de justice, pointant sur requête de l'Afrique du Sud un risque réel et imminent de génocide, selon les termes précis de la Cour de justice internationale. Dans le même temps, alors que le monde a le regard fixé sur Gaza, les forces israéliennes déchaînent depuis 4 mois une vague de violence inouïe et inédite contre les Palestiniens, à laquelle les colons sont partie prenante en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, là où nous sommes jumelés. À Jérusalem-Est occupée, plus de 435 Palestiniens sont tués depuis 6 mois. Notamment recourant à la force meurtrière sans nécessité et de manière disproportionnée lors de manifestations, d'arrestations arbitraires et privant les blessés d'assistance médicale. Nos partenaires à Jérusalem-Est en témoignent. À cela s'ajoutent des déplacements forcés de personnes et de destruction de biens. Ainsi, après presque 6 mois d'une guerre atroce, le Conseil de sécurité des Nations Unies a enfin voté ce 25 mars une première résolution réclamant un cessez-le-feu immédiat pendant la durée du Ramadan et la libération de tous les otages. Face à ces constats,
les maires, présidents et présidentes des exécutifs et élus des collectivités territoriales françaises engagées dans des projets de coopération décentralisée avec la Palestine, lance un deuxième appel pour la mise en œuvre et le respect de la résolution votée par le Conseil des Nations Unies, afin qu'il se transforme rapidement en cessez-le-feu permanent, sans lequel les populations palestiniennes civiles de Gaza sont directement menacées d'une famine massive et imminente. C'est pourquoi le Conseil municipal de Corbeil-Essonnes se joint à cet appel et, dans la suite de son vœu du 15 novembre 2023, demande un cessez-le-feu immédiat et permanent, la levée du blocus de la bande de Gaza et la reprise de l'acheminement de l'aide humanitaire, le rétablissement de tous les financements de l'UNRWA, l'Organisation des Nations Unies pour les réfugiés, l'arrêt de l'occupation des terres palestiniennes, notamment en Cisjordanie, la libération de tout otage du Hamas et des prisonniers politiques. Face au risque réel de voir un embrasement régional, l'impératif est de restaurer un horizon politique qui prévoit la création d'un État palestinien vivant en paix avec Israël. Les villes reprennent là ce qui est leur responsabilité, c'est-à-dire la position officielle de la France sur le conflit. Voilà l'état de cette motion. Merci. Peut-être on peut préciser, Jacques, que vendredi, à 18h30, nous avons décidé de hisser le drapeau palestinien devant l'hôtel de ville. L'occasion, ce conseil municipal, d'informer le public, de saluer les Corbeil-Essonnois et les Corbeil-Essonnoises qui nous regardent en direct et d'appeler à ce que nous soyons nombreux vendredi à 18h30 devant l'hôtel de ville. Et nous sommes particulièrement fiers d'être l'une des communes de France qui peut-être fera des petits, lance un appel à ce que toutes les communes de France, comme beaucoup l'ont fait d'ailleurs avec le drapeau ukrainien et qui n'a posé pas de problème à qui que ce soit, eh bien on hisse le drapeau palestinien parce que notre conviction à cette majorité municipale, c'est que ce sont les peuples qui font la paix, souvent les gouvernants qui font la guerre, mais c'est les peuples qui arrachent la paix, et qu'on peut imaginer que si des milliers de communes en France hissaient le drapeau palestinien, cela pèserait encore plus, d'abord sur notre gouvernement, qui peut sûrement faire plus encore, et puis sur la communauté internationale pour que ce massacre, et on peut employer le mot de génocide qui est en train de se passer à Gaza, mais pas qu'à Gaza, puisque il y a aussi une dynamique chez les colons de crimes contre les Palestiniens en Cisjordanie. Et nous sommes nombreux, et dans le public, je reconnais des visages, et parmi les élus, à avoir des amis, des connaissances. Personnellement, moi, je suis en contact avec une femme, son mari, trois enfants, à Rafah en ce moment, dans des conditions où vous regardez les informations insupportables, et qui sont pris au piège avec un gouvernement israélien qui est prêt à lancer une offensive sur Rafah, ce qui serait complètement dément. Et donc voilà, il s'agit de dire que ce n'est pas deux poids, deux mesures. Ce qui se passe en Palestine, on voit bien, à Gaza, a une répercussion internationale, et que si on accepte ce qui se passe à Gaza aujourd'hui, eh bien, c'est accepter qu'il se passe la même chose partout dans le monde. Donc il y a un débat d'ailleurs, mais un combat pour la paix en Ukraine, mais il doit y avoir une mobilisation aussi importante sur ce qui se passe aujourd'hui en Palestine. N'oublions pas aussi que ce drapeau, c'est le drapeau normal qui correspond à toute coopération décentralisée ou à toute convention de jumelage avec une ville. Donc j'espère que demain nous montrerons en même temps le drapeau allemand, puisque nous sommes jumelés avec l'Allemagne, aux côtés de ce drapeau sur les mâts devant l'hôtel de ville. Très bien. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce vœu ? Chacun, évidemment, est appelé à voter comme il le souhaite. Monsieur Bell ? Oui, donc comme d'habitude pour les motions qui ne concernent pas Corbeil-Essonnes, nous ne participerons pas à ce vote. Je rappelle quand même pour la forme que nous avons voté un règlement intérieur, enfin une modification du règlement intérieur il y a peu de temps, à votre initiative, et que dans ce règlement intérieur, il est précisé que les motions passeraient à la fin du conseil municipal. Donc je vois que vous ne respectez pas cette règle, mais bon, ce n'est pas grave. Merci. Madame Ketfi. Bonsoir à tous. Au nom du groupe Corbeil-Essonnes au cœur, je voulais vous faire part du fait que nous sommes contre, et nous serons toujours contre, toutes les formes de violence, quelles qu'elles soient.
Et je voulais aussi dire un message, parce que je ne l'ai pas vu dans cette motion. J'ai une pensée pour la partie du peuple israélien qui manifeste et qui lutte aussi contre cette violence. L'intégralité du peuple israélien n'est pas pour cette guerre. Certains luttent et manifestent contre. Et parce que la violence ne résout rien, et surtout parce que la violence pénalise souvent les plus faibles, nous voterons pour cette motion comme nous l'avons fait au mois de novembre dernier. Je vous remercie. D'autres interventions ? Très bien. Donc, qui est pour ? Je propose qu'on vote solennellement. Donc, levons la main. Donc, l'ensemble de la majorité municipale, le groupe de Madame Ketfi, et puis donc ne prend pas part au vote le groupe Monsieur Bell, qui pour l'instant d'ailleurs est tout seul avec le pouvoir qu'il détient. Je vous remercie. Donc, on a un débat important ce soir puisqu'on va voter le budget de notre commune et on a proposé de commencer par toute cette partie budgétaire. Et donc, Sylvain Renard, tu vas engager la présentation de plusieurs... Pardon ? Ah oui, le compte-rendu, j'ai oublié, oui. Est-ce qu'il y a des remarques sur le compte-rendu du conseil municipal ? Il n'y en a pas. Qui s'abstient ? Généralement, l'opposition s'abstient. Je vous remercie. La majorité est pour le compte-rendu. Monsieur Renard, tu peux y aller. Oui, alors justement, pour fixer les idées, je voulais rappeler que nous avons 5 points qui concernent, qui forment un tout. Hein. D'abord, nous allons vérifier que le compte de gestion, c'est-à-dire celui du comptable public, et le compte administratif, c'est-à-dire le nôtre, donnent les mêmes résultats. Ensuite, nous allons affecter le résultat qui résulte de cette comptabilité. Ensuite, nous passerons au budget primitif proprement dit, et puis en point 5, nous fixerons le taux des impôts directs locaux. Je précise ça parce que c'est l'organisation du débat budgétaire. Nous commençons donc par le compte de gestion de l'exercice 2023. Il est donc demandé à l'Assemblée délibérative d'approuver le compte de gestion de l'exercice 2023 du budget de la commune, établi par le receveur municipal, c'est-à-dire par le comptable public. Les résultats globaux de clôture des sections de fonctionnement et d'investissement se présentent de la manière suivante. En résultat de fonctionnement, 7 134 494 euros. Et 89 centimes. En résultat d'investissement, un déficit d'1 576 054 euros et 79 centimes, ce qui donne donc un résultat global de 5 558 440 euros et 10 centimes. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point ? Je pense que les interventions se concentreront sur le budget. J'imagine, mais... Tout à fait. Il faut quand même le demander. Donc, nous allons passer au vote, si vous voulez bien. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? L'ensemble de l'opposition. Qui est pour ? La majorité. Merci, Monsieur Renard. On va passer au compte administratif. Voilà, je propose que le premier adjoint, parce que le maire ne peut pas voilà, nous allons passer au point 2 et désigner... Au compte administratif, donc Michel Noy voilà. va me procéder, et moi je m'éclipse le temps que vous discutez. Alors si tout le monde en est d'accord, donc Michel Noy va présider la séance. Donc il s'agit de la comptabilité de la commune, faite par la commune. Il est proposé au conseil municipal d'adopter le compte administratif du budget de l'exercice 2023 de la commune et de constater, fort heureusement, sa concordance avec le compte de gestion du receveur municipal précédemment voté. Je crois que c'est la dernière fois que nous procédons de cette manière, puisque avec la M57, les choses seront, j'imagine, différentes. On n'aura plus deux comptabilités à comparer, mais nous n'en aurons plus qu'une. Je dirai un mot tout à l'heure des effets de la nouvelle, du nouveau référentiel budgétaire sur l'effet de la comptabilité. Mais dans le cas présent, nous avons bien à constater la concordance du compte de gestion avec le compte administratif. Est-ce qu'il y a des questions ?
là, à vous. Oui, moi je voudrais faire une remarque consécutive à la commission des finances qui a eu lieu il y a quelques semaines. Nous avons observé un changement radical d'attitude de la majorité à l'intérieur de cette commission. Est-ce que ce changement est dû à la nouvelle direction de la mairie, dirigée par M. Alouache, je crois, désormais, qui, intervenant dans cette commission, nous a expliqué qu'on ne pouvait pas répondre à nos questions en séance, donc on comprenait qu'il pouvait y avoir des questions difficiles pour lesquelles il est difficile de répondre instantanément en commission, mais nous espérions donc naturellement qu'au mieux on nous répondrait dans les jours qui suivraient ou éventuellement même au conseil municipal, mais non, il a été formalisé que on ne pouvait répondre à nos questions que lors de la prochaine commission des finances, c'est-à-dire donc la commission qui serait postérieure au conseil municipal, dans lequel seraient présentés le compte administratif et le budget primitif de l'année 2024. Ceci nous a paru tellement incongru que j'ai suggéré à la présidente, à la vice-présidente de la commission, de conclure au plus vite cette commission, qui était une commission manifestement fantaisiste, fantoche, je dirais même, et donc je tenais à en faire part au conseil municipal et au Corbeil-Essonnois. Donc nous avons une commission qui est la seule commission obligatoire, d'ailleurs, du conseil municipal. J'espère que dans les autres commissions, ça ne se passe pas de la même manière, et j'espère que l'on fait au moins mine de répondre aux questions qui sont posées, ou d'annoncer en tout cas qu'on répondra aux questions qui sont posées. Voilà, je tenais à faire part de cette remarque, c'est la seule chose que j'ai à dire sur votre compte administratif, si ce n'est, pardonnez-moi, qu'après lecture attentive de ce compte administratif, eh bien, nous nous sommes aperçus, enfin, du compte administratif proposé en commission, nous nous sommes aperçus qu'il y avait d'énormes différences entre le document proposé en commission et le document qui ensuite nous est parvenu donc dans les délais légaux qui nous ont été remis donc pour ce conseil municipal. Donc ces chiffres travaillé, je dirais, en partie pour rien, assez difficilement, entre le moment où la commission nous a remis les documents et le moment où nous avons reçu les documents définitifs. Bon, ceci est une... est-ce une erreur à laquelle vous auriez pu répondre en commission, ou est-ce un subterfuge que vous utilisez pour nous induire en erreur et nous... et désorganiser, je dirais, les propositions que pourrait faire l'opposition, cette question reste en suspens, puisque de toute façon, vous ne répondez pas aux questions. À noter d'ailleurs qu'en conseil municipal, vous répondez aussi assez peu aux questions qu'on vous pose, mais bon, c'est le jeu, malheureusement, de ces assemblées. Merci. Sylvain ? Oui. Alors d'abord, moi, ce que je souhaite dire, c'est que quand des élus dûment convoqués et dûment élus par la population se réunissent et participent à une réunion de commission, il n'y a pas de commission fantoche. Il y a une commission normalement réunie où chacun peut prendre la parole, s'exprimer, discuter. Donc c'est un organe normal. D'ailleurs légale en l'occurrence, puisqu'elle est même obligatoire, c'est un organe légal, on n'a jamais empêché quelqu'un d'y parler. D'ailleurs, je fais partie de ceux qui souhaitaient, avec monsieur le maire, et après l'ensemble de la majorité a adopté cette position, je souhaitais qu'elle soit présidée par quelqu'un de l'opposition, parce que je pense que ça fait partie de l'idée que je me fais, moi, de la démocratie, et je crois que nous l'avons rapidement partagé quand on en a discuté. Donc, moi, je refuse absolument qu'on parle de commissions fantoches ou fantômes, etc. Les commissions, elles se réunissent conformément au règlement intérieur et conformément à la loi. Elles font un travail utile. Il n'y a pas de fantoche. Alors ensuite, il est vrai
que je ne me considère pas obligé, en tant qu'élu aux finances, à présenter tous les points. Non, je ne suis pas obligé à ça. Je l'ai fait souvent, je ne le fais pas à tout coup et je ne l'ai pas fait la dernière fois, et je ne reçois, en l'occurrence, les élus ne reçoivent pas d'ordre, il n'y a pas de changement d'administration qui justifie ça, il y a simplement un moment où les élus peuvent estimer que ce n'est pas à eux, et en particulier à moi, de présenter les points. Mais cela n'a rien à voir avec le changement de directeur général des services. Je précise que je m'entendais bien avec le précédent et que je m'entends bien avec celui qui existe aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais il y a des moments où on peut estimer que l'opposition doit aussi faire un effort pour étudier les points, pour les présenter et pour faire des propositions et ne pas avoir une attitude uniquement destructrice qui est aussi pénible, surtout quand, comme moi, on a souhaité l'associer de près au débat et aux décisions. Nous n'avons d'ailleurs pas refusé systématiquement de répondre. Je me rappelle moi-même avoir répondu immédiatement à une question parce que j'en possédais la réponse. Nous ne possédons pas toujours les réponses à des questions techniques et précises. Nous demandons dans ce cas-là du temps. Et il est vrai que M. Alouache a indiqué que le mécanisme normal quand on veut poser des questions, c'était celui qui est prévu en conseil municipal, où on répond en fin de séance aux questions qui ont été posées. Donc, sur ce point, je souhaite pour ma part que la sérénité revienne dans les commissions, que chacun fasse son travail. Je ne crois pas que les élus de la majorité ne font pas le leur. Je pense qu'ils sont présents, qu'ils font leur travail. Je le dis pour moi aussi quand même, pour la commission dont il s'agit. Je fais mon travail avec les camarades qui sont présents. Je demande à l'opposition de faire le sien, qui n'est pas seulement d'essayer de démolir, mais de construire. Si, Sylvain. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres, Madame Quatrefille? Oui, bonsoir. Je me permets d'intervenir, puisqu'en effet, je suis vice-présidente de cette commission des finances de la ville de Corbeil-Essonnes. Et je le suis parce qu'en fait, au-delà de votre souhait et de celui du maire, M. Renard, il me semble que c'est une de vos propositions de campagne. Donc, vous n'en avez pas tenu beaucoup et à minima, celle-ci au moins a été tenue puisque vous avez proposé à la présidence chacune des commissions et notamment celle des finances pour laquelle vous m'avez élue. Je dois dire que malheureusement, la commission précédente et la précédente également était un simulacre de commission. Alors, je m'associe au fait de dire que c'était une commission fantoche. C'est une commission qui n'a pas du tout assuré le fonctionnement comme nous avons pu le connaître par le passé. Et en effet, M. Bayle a anticipé mon intervention, qui était l'introduction en fait de mon intervention pour le budget, qui visait à déplorer le fonctionnement récent, l'évolution récente du fonctionnement de la commission des finances et de l'associer éventuellement en lien avec la mise en place d'une nouvelle gouvernance au sein de notre administration. Est-ce qu'il y a un lien avec ce nouveau DGS? Puisque précédemment, lorsque M. Quinchez était présent à cette commission, nous avions pour habitude d'avoir des réponses aux questions qui étaient posées en séance où les informations nous étaient communiquées à minima avant le prochain conseil municipal. Ce qui n'est plus le cas, puisqu'aujourd'hui, il nous est indiqué que la commission des finances qui sert à préparer le conseil municipal, les questions à cette commission sont données à la prochaine commission des finances, c'est-à-dire après le conseil municipal qu'elle sert à préparer. C'est juste une aberration. Donc, je ne peux pas vous laisser dire, Monsieur Renard, qu'il y a eu de l'hostilité, qu'il y a eu... Non, par contre, nous regrettons, nous nous indignons, comme vous avez l'habitude de le faire si souvent, et nous nous indignons fortement de ne pas donner à l'opposition la possibilité de pouvoir préparer correctement le conseil municipal. C'est surtout de cela dont il est question dans l'intervention de M. Bayle et dans la mienne. Et donc, la sérénité est présente. Malheureusement, n'ayant aucune réponse aux questions que nous posions lors de cette commission, eh bien malheureusement, nous n'y avons pas trouvé beaucoup d'intérêt et avons souhaité, en effet, pouvoir faire voter, que vous puissiez voter les points que vous aviez envie de faire passer, puisque vous ne permettez pas à l'opposition de jouer son rôle, vous ne nous permettez pas de poser des questions et d'avoir des réponses qui nous permettent de pouvoir intervenir. Et malheureusement,
Je suis, par contre, je dois dire, la seule chose qui est plutôt assez positive, c'est que j'étais ravie de voir que la majorité était de nouveau présente autour de cette commission. Comme cela n'a pas été le cas en fin d'année dernière, nous avons une commission où l'opposition était majoritaire. L'opposition a été majoritaire dans une commission des finances. Je ne sais pas si vous trouvez ça normal chez vous. En tout cas, nous sommes présents. J'ai présidé cette commission et nous avons tenu les discussions, en effet, dans le cadre réglementaire, mais qui ne permet pas de pouvoir maintenir des débats normaux, en tout cas, qui nous permettent de pouvoir jouer notre rôle d'opposition. Sylvain. Non, juste en quelques mots, j'ai déjà dit l'essentiel. Il peut arriver, c'est arrivé une fois, que l'opposition soit majoritaire, parce qu'il y a des élus, des personnes qui sont pris par leurs activités professionnelles, par d'autres réunions ou par des problèmes personnels. C'est parfaitement possible que ça se produise une fois. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas l'habitude, ce n'est pas un drame. Je le regrette quand même, parce que je souhaite évidemment que nous soyons présents. Mais enfin, je vois pas de raison vraiment... Enfin, je vois pas en quoi ce serait raisonnable...